وبعد إخوة الإسلام، جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال جل شأنه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Mes frères dans la foi, soldats de notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je viens de citer trois ayats de sourate Yusuf, de sourate Fussilat, de sourate Dukhan au sujet du Coran al-Karim qui était révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. La première sourate signifie « On l'a fait descendre un Coran en arabe afin que vous raisonniez. » Et dans la deuxième, c'est un livre, l'ayat signifie « C'est un livre dont les ayats sont très explicites, un Coran en arabe pour des gens qui cherchent à savoir. » Et dans la troisième, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكُ. On a fait que le Coran est révélé par ta langue afin qu'il se rappelle et qu'il se médite. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَيِّدَةَ الْأُمَمِ وَخِتَامَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la communauté du prophète alayhi salatu wa salam, c'est la meilleure communauté et c'est la dernière. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم تتمون 80 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله. Vous complétez la 80e communauté depuis Adam jusqu'à nos jours. On complète 80 communautés et Sayyidina Muhammad a dit: Vous êtes la meilleure et la plus honorée selon le jugement de Dieu. Et bien, هذه الأمة هي أفضل الأمم. إذ أن ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة. Puisque les deux tiers parmi les gens du paradis de la communauté du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Et tout le reste depuis Adam avec la communauté de Jésus عليه السلام et tous les prophètes sont venus avec l'islam font le tiers. Mais la communauté de Sayyidina Muhammad seront les deux tiers parmi les gens du paradis. وجعل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وخاتمهم. سيدنا محمد est le plus honoré et il est le dernier de tous les messagers. Le plus honoré de tous les messagers et il est le dernier. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. Sayyidina Muhammad a dit: Je suis le maître de fils de Adam le jour du jugement et je ne le dis pas par fierté mais pour parler de la bienfaisance de Dieu sur moi. Et il a fait que Sharia de Sayyidina Muhammad c'est la dernière Sharia. La Sharia, ya ikhwan, laysa hiya faqat قطع يد السارق ورجم الزاني إن كان محصنا وجلد شارب الخمر. الشريعة هي الأحكام التي نزلت على سيدنا محمد من أمور مستحبة، مثلا عند الولادة يستحب أن تؤذن باليمنى تقيم باليسرى، إلى الأحكام من صلاة وصيام وطهارة وحج وبيع وشراء، كل هذا يقال له شريعة. فشريعة النبي محمد هي خاتمة الشرائع وهي أتمها وهي أسهلها ولا ينسخ. يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا أن نغير حكما واحدا، لا حكم تعدد الزوجات ولا حكم وللذكر مثل حظ الأنثيين وغير ذلك من الأحكام. الله تعالى في كل لا شريعة للوا de la pratique pour Sayyidina Muhammad, cette charia est la dernière et il a abrogé
Beaucoup des lois qui ont été dans les communautés précédentes, dans Shari'at Moussa, dans Shari'at Isa. Et on a bien dit que Tawhid, c'est la religion de tous les prophètes. Mais les lois de pratique, il y a une certaine divergence. Et on a donné des exemples à ce sujet à l'époque. Lorsqu'on dit Sharia, ça ne veut pas dire seulement le voleur dans l'islam, s'il vole telle somme avec telle condition, on lui coupe la main droite. Si la personne a fait la fornication, voilà, c'est la lapidation. Si il boit l'alcool, la Sharia, c'est les lois de l'islam. Même les choses qu'on dit sunna et recommandées. Par exemple, à la naissance de l'enfant, lorsqu'il vient au monde. Alors, le adhan, c'est sunna dans l'oreille droite, al-iqam dans l'oreille gauche. On prend une date ou quelque chose sucré, on mâche et on met dans sa bouche et on passe sur la légencive ce qu'on dit at-tahki, at-tahnik. Ça c'est sunna. Alors ça rentre dans sharia. Ça rentre dans sharia. Parmi les lois que la femme, qu'elle allaite son enfant, elle peut demander un salaire de son mari pour l'allaitement. Ça c'est sharia. Alors sharia, c'est les lois de l'islam. En parlant de la prière, de la purification, du jeûne, du zakat, du partage de l'héritage, les règles de l'achat et la vente, la halal, la vente est halal, le riba est haram, comment faire le mariage, comment faire un divorce, ainsi de suite. Et ces lois, on n'a pas le droit de changer une petite loi parce qu'on est dans le 21e siècle. On n'a rien à changer dans l'islam. J'entends des fois des gens malades en France sur la télé, à droite à gauche. Oui, l'islam c'est une jolie religion, c'est très... mais il faut qu'on change 10 choses, 4 choses ou 40 choses. Il n'y a rien. Il n'y a rien à changer. C'est-à-dire, le Coran al-Karim, depuis le Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, si une personne il dit une aya, tu vois dans le Coran il y a des milliers d'ayats, une aya seulement, je ne l'accepte pas, je ne vais pas croire à ça. Il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Voyez, parce qu'il a rejeté une aïe dans le Coran. Même s'il rejette une lettre dans le Coran, une lettre, il dit ça, ce n'est pas dans le Coran, il sort de l'islam. Wa kitabatul Coran al-Karim, khatim al-kutub al-samawiyya al-sharifa. Alors, هذا القرآن, comme on a dit, هذا الكتاب, ce livre, est le dernier livre. Et au temps de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsque Sayyidina Muhammad il le récitait, il y avait certains parmi les compagnons qui étaient des écrivains, ils écrivaient. C'est pas tous les compagnons étaient des gens qui arrivent à écrire, mais quand même il y avait certains qui écrivaient. Ils écrivaient sur, des fois sur l'épaule des moutons. Et c'est Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qui a ordonné de le réunir dans un seul livre sous le conseil, après le conseil de Omar ibn al-Khattab. Et Sayyidina Uthman l'a écrit une deuxième fois avec une seule écriture, parce que puisqu'il y a cette lecture du Coran, alors il y avait plusieurs manières d'écrire, parce qu'il y a plusieurs lectures. Yani qira'at. Sayyidina Uthman a dit, ok, vous récitez le Coran comme ça a été transmis de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, Maliki Yawm al-Din, par exemple, ou Maliki Yawm al-Din, mais avec une seule écriture, pour ne pas avoir de divergence entre Sahaba, Fajazahullahu, Anil Muslimina Khayra. C'est Sayyidina Uthman qui a fait ça, et le Mushaf de Uthman, il est maintenant à Istanbul. Parce qu'il a fait 5 ou 6, il restait une, il est à Istanbul. فأنزله بلغة هي سيدة اللغات وأفضلها. Alors, Allah Ta'ala a fait descendre le Coran, a révélé le Coran avec la langue arabe qui est la meilleure de toutes les langues. Afdalul lughat, ajmalul lughat, la plus belle de toutes les langues, la plus riche. Et c'est pour cela Allah Ta'ala a fait que les gens du paradis parlent là, même les Chinois qui ont embrassé l'islam ou qui sont musulmans et qui sont morts sur l'islam dans le paradis parlent l'arabe et ils ne vont pas parler ni chinois ni anglais. Idhan, kull ahl al-janna yatakallamuna bil lughati al-arabiyya. Kull ahl al-janna yatakallamuna bil lughati al-arabiyya. Hadha al-Qur'an nazala bil lughati al-arab, lakin li na'lam an al-injil bil lugha al-suryaniyya wa at-tawrat bil lugha al-ibriyya
والزبور باللغة العبرية، ولكن الله تعالى يتكلم بلا حرف ولا صوت ولا لغة. Alors, le Coran révélé en arabe, l'Injil, le livre révélé à Jésus, c'est en langue syriaque ou aramite première syriaque. La Torah, c'est par la langue hébreu. Et il y a 104 livres qui ont été révélés au prophète. La parole de Dieu, c'est pas une langue arabe ou hébreu ou syriaque ou autre. La parole de Dieu n'est pas composée par des lettres et des voix. Allah existe avant les lettres, avant la voix, avant les langues. C'est Allah qui a donné la connaissance des langues à Adam et Adam a enseigné ses fils. Les mères des langues, ça vient du Adam. Ummahatul lughat, ummahatul lughat min Adam. بعدين في اشتقاق للغات لكن أمهاتها الله تعالى علمها آدم وآدم تكلم بها مع أولاده. لكن لنفهم أن ربنا لا يشبه خلقه كلام ربنا لا يشبه كلام خلقه. Puisque Allah ne ressemble pas à ses créatures, la parole de Dieu ne ressemble pas à ses. نحن كلامنا حرف وصوت وله بداية وله نهاية. كلام الله ليس حرفا ولا صوت وليس له بداية وليس له نهاية. Notre parole, il a un début, il a une fin, composée par des lettres et des voix. On parle et on se tait et on parle et on s'arrête. La parole de Dieu n'est pas composée par des lettres et des voix et la parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل اللغة العربية وأهميتها أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. Alors le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak et il l'a considéré صحيح. Aimez les Arabes, aimez. بعد الشياطين قال ولا أحب العرب لعنة الله عليك دم بلاد فارس. Quelqu'un il a dit et j'aime pas l'arabe لأن غبي. Parce que tu es idiot. Shu'aib, arabi. Hud, arabi. Salih, arabi. Wa afdalul anbiya'i, arabi. Wal Qur'an, arabi. Wa lughatu ahli jannati, arabiya. Falladhi la yuhibbu lughata al-arabiya wala al-arab. Min haythu al-umum la yakunu mu'minan. La yakunu muslima. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam a dit aimez les arabes parce que ou aimez les arabes pour trois choses. معناه ليس معناه كل فرد عربي لا أحب العرب من حيث الإجمال. Ça veut pas dire aimer chaque individu arabe. Non. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. On est d'accord. Le meilleur parmi vous c'est le plus pieux. Il y a des arabes non croyants. Il y a des arabes athées. On parle pas de ça. Mais le prophète nous a dit en général les arabes musulmans aimer les arabes يعني, qui sont sur l'islam pour trois choses. Parce que je suis arabe. Et parce que le Coran c'est en arabe. Et parce que la parole des gens du paradis c'est l'arabe. فالإنسان له عزة مع بعض الأحيان يا أخوانا. وإذا جيت على سويسرا ما عاد فيك تسمي محمد أحمد حسن وصالح وعلي تسمي لي جورج وطوني ما عيب عليك. Alors même si la personne elle est venue en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Hey, tu as peur de donner à ton fils le nom Mohamed ou Ali ou Hassan ou Abu Bakr, tout d'un coup comme en Afrique, beaucoup de gens s'appellent Abu Bakr, Abu Bakr, Abu Bakr. Ils aiment Abu Bakr, c'est bien, mais le fait de nommer le nom Johnny, Tom, George, pourquoi? Pourquoi? Hein? Tu veux compliquer la vie de ton fils? Ils appellent le chose, mais le George, c'est le fakr, je suis musulman, où est le problème? Bon, il y a des racistes, il y a des racistes en Europe, mais aujourd'hui, il y a des racistes en Europe. فأي شرف وأي رفعة وأي مرتبة تلك التي نالتها اللغة لغتنا الجميلة. Quel grand mérite degré que notre langue arabe a pris puisque la langue des gens du paradis c'est l'arabe. لا يخفى على العاقل أن التمكن في اللغة العربية وعلومها هو مفتاح مهم من مفاتيح فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maintenant, on arrive à un sujet très important, à chercher à savoir et à apprendre la langue arabe. Pourquoi?
Parce que pour bien comprendre le Coran al-Karim et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a besoin de la langue arabe. C'est la clé pour qu'on puisse comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. أنت تعرف تلاوة القرآن كل حرف بعشر حسنات وتعرف أن أعظم دواء نافع لهذا القلب هو قراءة القرآن بتدبر بتدبر أو بتفكر فإن لم تفهم معاني كيف تتفكر chaque lorsque tu récites le Coran dans chaque lettre il y a 10 حسنات alors quel grand bienfait dans le Fatiha seulement il y a 155 lettres dans le Fatiha fois 10 c'est 1550, le minimum. Est-ce que vous savez que le meilleur remède pour guérir ce cœur qui est dur, c'est le fait de lire le Coran Karim avec méditation. Avec méditation. Et si tu ne comprends pas l'arabe, comment tu arrives à méditer? C'est pour cela que ta'allum al-lugha al-arabiyya muhim jiddan. Voilà. C'est quoi le jugement d'apprendre le français, l'anglais, l'allemand, le chinois, le russe, les langues en général? Obligation d'ordre collectif. Fardu kifaya. Fardu kifaya. Obligation d'ordre collectif. Si certains ont appris, les autres sont déchargés. Parce que si quelqu'un, un russe, il dit je veux rentrer dans l'islam, je vais amener l'imam, je ne connais même pas une lettre. Je ne connais rien du tout de la langue russe. Alors, russe. Alors, il faut qu'on cherche quelqu'un qui lui parle en russe. Alors, c'est pour cela une obligation d'ordre collectif qu'il y a des musulmans qui connaissent ces langues. فَأَمَّا اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةِ يَجِبْ عَلَيْكَ أَن تَتَعَلَّمْ بِحَيَّةِ تَقْرَأَ الْفَاتِحَةِ وَكَيْفْ تُصَلِّي. Tu dois apprendre pour que tu puisses lire le Fatiha, pour que tu puisses faire la prière. On n'a pas dit encore que c'est obligatoire sur chaque personne d'apprendre l'arabiya. Non. Mais c'est une chose très importante si tu veux le bien pour toi, pour tes enfants. ما مطلوب يا إخواننا ولو أنت تزوجت من أوروبية أن تتكلم بالبيت باللغة الفرنسية وبيطلع ابنك ما بيعرف يحكي ثلاث جمل باللغة العربية. C'est pas une bonne chose. Il n'y a pas de sagesse dans le fait que toi tu parles chez toi à la maison le français. Et que ton fils, il grandit, il ne connaît pas à dire deux ou trois phrases en arabe. Même si la mère est européenne, alors le fardeau, il est chez toi. La responsabilité, il est chez toi. Tu parles arabe, tu le prends chaque année, un mois, deux mois, le maximum. Tu le laisses entre les arabes afin d'apprendre l'arabe. Parce que le français, il va l'apprendre à l'école. L'anglais, il va l'apprendre. L'allemand, il va l'apprendre. Mais l'arabe, si tu n'as pas fait ce travail, comment il va l'apprendre? Et cet homme, une fois qu'il récite le Coran, une fois qu'il entend le hadith, une fois qu'il... Et il va rater beaucoup de bien, beaucoup. بعد كلام الصالحين كم هو نافع. La parole de certains saints. Et mais si la personne ne comprend pas l'arabe, qu'est-ce qu'il va apprendre de telle et telle parole? إذن اهتموا بتعليم اللغة العربية. الفضل الله عز وجل هذا المسجد مدرة مدرسة السلام. أنا أعرف من درس فيها والآن هو يعلم العربي يدرس العربي يحكي عربي يكتب عربي يدرس عربي. En parlant des bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu, parmi les bienfaits de Dieu, que la mosquée de Lausanne, lorsqu'on était à la gare, et moi je suis venu ici, 92, on avait une seule classe, 15 à 20 élèves. Après on avait 2-3 classes, maintenant on a à peu près 320 élèves, seulement à Lausanne. Je ne parle pas de Moudon, de Clarens, de Nyon et de Yverdon dans le canton de Vaud. Seulement à Lausanne. Et je sais qu'il y avait des élèves, maintenant ils sont des enseignants à l'école. Ils enseignent la langue arabe. Aham, yani, moi je suis content que vos enfants, et vous savez, on encourage qu'on aura de parmi nos enfants des médecins, des ingénieurs, hein, dans tous les domaines de la vie. C'est une chose parmi les obligations collectives, on vient de dire encore. C'est une obligation d'ordre collectif. Mais c'est plus important que ton fils apprend la religion et la langue arabe que ses diplômes. بس حتى ما حدا يعتب عليه أن يتعلم ابنك الدين والعقيدة واللغة العربية أهم هذا من أن يكون له شهادة دنيوية. أهم. إذن لا ينبغي أن نغفل عن أمر الآخرة مقبلين على أمر الدنيا. Il faut pas qu'on soit distrait de ce qui est utile pour l'au-delà en étant très consacré ou très concentré sur
les affaires de ce bas monde. وإنما نشأت هذه اللغة خدمة للعلوم الشرعية. هو سيدنا علي رضي الله عنه أعدي أبو الأسود الدؤلي de commencer à faire un petit livre dans la grammaire arabe. Parce que lorsque les Arabes ont fréquenté les Perses, les Romains, les Turcs, les communautés, leurs enfants, ils ont commencé à perdre le fait de parler l'arabe par nature. Parce qu'à l'époque, mes frères, il n'y avait pas de dialecte. L'enfant, dès qu'il arrive à parler, lorsqu'il commence à parler, il dit « Inna shamsa tali'atun ». Tu vois, « Inna shamsa », il ne dit pas « Inna shamsu tali'atan ». Ça, c'est faux dans le grammaire. Mais lorsqu'on s'est mélangé avec les autres communautés, on a commencé à faire des erreurs et on a dit ça à Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Alors Ali, il a dit à Abu l'Aswad d'Ali d'écrire, de commencer à faire des chapitres au sujet de la langue arabe, Allah fata alayhi. Et de là, on a fait des livres au sujet de la grammaire. Nous avons dit les règles de la langue arabe. Al-Nahw wa al-Sarf. Al-Nahw wa al-Sarf. Fahaza ta'allumuhu matloubun wa hadha muhimmun. Ça, c'est une chose à savoir et à connaître. لأن به نفهم العلوم الإسلامية par cette science, la grammaire et la conjugaison, ainsi de suite. Alors, on arrive à comprendre bien la langue arabe. Je me rappelle une fois un docteur chrétien qui était avec les élèves, et c'est un Syrien, il parle l'arabe. Il a dit, comment ça se fait que vous voulez que l'islam soit une religion mondiale, que la langue arabe soit... Et la langue arabe, c'est très dur, c'est très difficile à apprendre. Et il y avait un Africain converti, ça ne fait pas très longtemps, mais il était très intelligent. Et alors il y avait... أسلم ليس من آباء مسلمين دخل في الإسلام فقال له لا ما صحيح il lui a dit non c'est pas vrai dans la langue arabe il y a trois conjugaisons ماضي ومضارع والمضارع بيجي futur يعني مستقبل وأمر il a dit il y a trois conjugaisons passé présent et ordre et ordre et à l'impératif et il y a que ces trois conjugaisons en français il y a le plus que parfait subjonctif plus que Vous voyez tous ces 12, 14 conjugaisons. Et l'autre, il ne savait pas répondre à ce jeune homme africain. وكان تعليم اللغة العربية مما رسخ في الأذهان وفي القلوب تلك القواعد المهمة لا سيما عند الأمم الأعجمية. Alors maintenant, vous allez voir, par exemple, à l'époque, il y avait des grands savants, on regarde dans les pays perses. En Turquie, en Inde, en Afghanistan, beaucoup de ces communautés à la base ne sont pas arabes, mais ils sont devenus des grands savants parce qu'ils ont appris la langue arabe, ils ont appris la grammaire et le sarf, et par la suite ils sont devenus des grands imams, même qui parlent de tafsir, qui parlent dans l'explication du hadith, ainsi de suite, parce qu'ils ont travaillé à la langue arabe. Hatta ba'dhum qal, nu awwal ma yu'allam al-insan al-'aqida. Ou علم الدين الضروري, tu enseignes à la personne responsable, mukallaf. La première chose, qu'est-ce que tu enseignes? La science obligatoire, un peu la croyance, comment faire la purification et la prière. La base, comment pratiquer l'islam. Après, ils ont dit, tu l'enseignes la grammaire. Parce qu'il a besoin après, pour toutes les autres sortes de sciences, de connaître la langue arabe. قالوا يعلم أول ما يعلم العلم الضروري العلم الواجب الفرض العيني بعد ذلك يعلم النحو لأنه يحتاج إليه لسائر العلوم لفهم تلك العلوم يحتاج إلى اللغة العربية طيب فإذا كان يعني vous pouvez voir et lire dans l'histoire combien on a des imams البخاري les savants dans le fiqh al-Shafi'i qui étaient à Shiraz, Asfahan, Samarkand, les grands savants hanafites, Isfarayin, et c'est des gens qui ne sont pas arabes, mais ils sont devenus des grands savants parce qu'ils ont appris la langue arabe pour qu'ils puissent renforcer leur connaissance dans l'islam.
ومشكل كبير عند كثير من أهل البدع، سبب بدعهم أنهم غير متمكنين باللغة العربية. Un grand problème chez les groupes sectaires, que ce soit المعتزلة, ceux qui nient le qadar, ou المجسمة, ceux qui attribuent à Dieu le corps. Et dans المجسمة, ceux qui disent المولد بدعة, ils disent المولد c'est haram, le fait de célébrer le مولد. Et ils disent que si tu fais tabarruk ou tawassul, ou tu vas visiter les tombes des saints, tu as fait le shirk, leur problème parce qu'ils n'ont pas connu que ça veut dire al-ibada dans la langue arabe. Et ils ont mal parlé au sujet de l'adoration, ils ont mal défini l'adoration, alors ils ont dit, si tu visites la tombe d'un saint pour la baraka et faire dua, tu as adoré le tombe. C'est de la folie. C'est hada hada junoun, hada ghaba. Ziyar al-qubur salihin, fiha khayr, fiha baraka. سيما قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح كان يفعل. فهؤلاء المجسمة لأنهم ما عرفوا كيف يسموا ما هي العبادة فأخطأوا في التعريف فكفروا المسلمين بغير حق. Suite à la mauvaise définition de العبادة de l'adoration, ils ont insulté les musulmans et ils ont dit vous êtes mécréants, vous adorez les tombes. C'est suite à leur ignorance dans la langue arabe. نسأل الله تعالى العفو والعافية حسن الختام. نسأله سبحانه وتعالى أن يقوي فهمنا وعلومنا للغة العربية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. أستغفر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفا وعلى من بآثاره مقتدى واقتفى. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، واعلموا أنكم ميتون، واعلموا أنكم ميتون يا بني آدم، والموت نازل بكم صباحا أم مساء لا ندري، لعل الموت أقرب إلينا من المخدة التي نضع رقابنا عليها. Craignez Dieu et préparez-vous pour le jour du jugement. La mort arrive par surprise. Peut-être il est plus proche que l'oreiller sur laquelle on met la tête. وهو نازل بكم صباحا أم مساء. Ça peut venir le matin, ça peut venir le soir. Tu te trompes pas en disant je suis jeune, en bonne santé. Vas-y vers le cimetière et regardez combien il y a des jeunes et qu'il y a des gens moins de 20 ans parmi nos connaissances qui sont morts et qui sont dans la tombe. Alors préparez-vous et vous allez être ressuscité. Tub'asoun. Jibril. Tine hisabak min al-bank wa amwalak. À quoi ça sert? Ramène maintenant les comptes. Ramène maintenant ce que tu as mis à côté pour la retraite. Ramène ce que tu as en euros, en francs suisses. À quoi ça sert? Ramène les maisons et les voitures. Qu'est-ce qu'il va te donner? Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où les biens, les enfants ne sert à rien sauf si tu viens avec un cœur sain, en bon état. Waqifuhum innahum mas'ulun. Vous allez être questionné. فيا فرحة المؤمن بكل ساعة قضاها في طاعة الله. Quel bonheur à chaque instant qu'on a passé dans l'obéissance. Dhikr, ilm. Des fois la personne il se promène vers Vidi, vers Ouchi, vers là-haut. Mais il y a le temps de la prière de le Maghrib. Pourquoi tu l'as raté? Il y a le temps de la prière de l'Isha en groupe. Pourquoi tu l'as raté? Même si tu vas la faire après. Mais faire la prière individuelle comme la faire en groupe, pas du tout. Là, النبي في مرض موته حريص أن يأتي على يأتي بالجماعة. Dans la maladie durant laquelle Sayyidina Muhammad est mort, il a cherché à faire la prière en s'appuyant sur deux hommes. Il voulait faire la prière en groupe. Il ne faut pas qu'on oublie ce parmi les grands sunnah yani de notre sharia. C'est ce que je voulais dire. Sinon, la prière en groupe, c'est une obligation d'ordre collectif. Certains savants ont dit comme le Jumu'ah, c'est une obligation individuelle. Certains savants. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, en groupe.
Certains ont dit c'est obligatoire comme le Jum'a en groupe, c'est l'imam Ahmed. Et la plupart ont dit c'est obligation d'ordre collectif. Alors prenez soin de votre temps, parce que le jour du jugement c'est une bonne heure. Le fait de venir avec des actes de bien acceptés, agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإخلاص وأن يقوينا على طاعة الله وأن يرزقنا حسن الاقتداء بسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide à bien suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière de vivre et dans le fait de pratiquer les sunan qu'il nous a transmis. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا من ذرياتنا قرة أعين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم لقاك واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اختم لنا بالحسنى إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا